ça attendra, les amis. Hey, vous étiez beaux, la bouche ouverte comme ça. Attendre l'autobus. On a hâte de vous entendre, car les Canadiens ont battu, je le dis envers et contre tous, les champions en titre de la Coupe Stanley chez eux, le soir où on hissait la bannière de la dernière conquête. Et Jeff Hackett qui remporte sa première victoire en carrière à Détroit. Alors, qui l'eût cru? Même nos quatre débatteurs n'auraient peut-être pas gagé leur chemise, qu'ils ont fort bien repassé d'ailleurs, ou en fait, le chandail est beau aussi. Préparez-vous, mes beaux amis, il y aura des questions existentielles à poser tout de suite après le résumé du match par Yvan Martineau. Bien, en cette soirée d'ouverture à New York, Paul, de la saison locale, le Canadien devait espérer que les Wings ne fêtent pas trop fort. On a donc souligné la conquête de la Coupe Stanley avec une autre prise de photos de famille. Il n'y a pas quatre minutes d'écoulées que déjà les Wings déjouent Jeff Hackett. Dans tous leurs matchs cette saison, les Canadiens ont accordé le premier but. Hackett, tout de même, n'est pas vilain. Il réalise plusieurs arrêts, dont celui-ci face à un dénommé Brattle. En tout début de deuxième, Andreas Dackel remet le tricolore sur ses rails dès la 12e seconde. L'égalité est créée. En troisième, Jeff Hackett réalise un gros arrêt contre Brattle, le genre d'arrêt qui inspire ses coéquipiers. Justement, Zetnik et Koivu descendent à deux contre eux. La passe est parfaite. Koivu compte, 2-1 Canadien. Tout un but. Voyez la reprise. Koivu était accroché au moment de diriger la rondelle dans le filet. Quelques minutes plus tard, un autre jeu de toute beauté, une superbe passe de Perrault et Markov porte le score à 3-1. Mais Luc Robitaille remporte une bagarre le long de la rampe. Il passe à Tatiuk qui compte 3-2. En toute fin de rencontre, Hackett réalise deux arrêts magistraux. Il sauve le match. Victoire du tricolore 3-2. Je vous pose la question, est-ce qu'on vient de relâcher le bouton de panique et qui sera le gardien samedi à Montréal? Je vous reviens tout à l'heure avec les autres résultats de la soirée. Oui, il y a des questions existentielles, mais la première, messieurs, auriez-vous cru? Y a-tu un 110%? Tu penses à Détroit ce soir? 110%? Sais-tu qu'est-ce qu'on dit? Le gardien numéro un n'a pas fait les arrêts. Les joueurs clés n'avaient pas de vie, ils patinaient pas. C'est exactement... Ça manquait d'émotion. C'est exactement ce qu'on a dit à Montréal des deux matchs. Michel, dérangé par la bannière. Exactement. Ouais, Michel, ça ne te rappelle pas des souvenirs, ça, Michel? Ça vient de renforcer le point que je disais. Après un long voyage, tu perds toujours le premier match chez vous. Les Red Wings étaient-tu à New York ces temps-ci? Non, les Red Wings étaient partis dans l'Ouest. Ils n'avaient pas vu leurs épouses et puis une couple. Mais c'est vrai que ça se vérifie régulièrement. C'est régulier... Comment t'expliques ça, toi? Les restaurants de l'Ouest. T'ennuies de ta femme? Ça fait ça. Tu vas avoir des billets, le monde t'appelle des billets. C'est pas compliqué ce soir. Ce qu'on a dit lors des deux défaites des Canadiens, on a fait des émissions là-dessus. On disait que le gardien n'arrêtait pas les rondelles. Joseph a de la misère. Ce soir, Hackett a arrêté les rondelles. On disait que nos joueurs clés ne patinaient pas et qu'il n'y avait pas de vie. Ce soir, Sako, Petrov et Richard Zadnik, les trois dynamos habituellement de l'équipe, avaient des jambes. Et regarde le résultat, le Canadien a gagné avec son style de l'an dernier. Pourtant, seulement 14 tirs en passant. On part toujours d'émotions puis vouloir souffrir. On regarde le but de Koivu, là. Il est accroché, il est passé à 100 000 à l'heure. Puis il sait qu'il va être accroché, il sait qu'il va tomber, il plonge, il dévie la rondelle. Puis là, il sait là, que ça va dans la bande, mais il fait, il souffre, puis c'est comme ça qu'on gagne. Il savait ce soir, il savait pas lors des deux derniers matchs. Le Canadien ressemblait drôlement au Canadien de l'an passé, un style hermétique. Ouais. Avec un trio défensif. Oui, c'est vrai. Michel Therrien essayait d'opposer Junot au trio de Federer. Et le Canadien était opportuniste. Écoute, 14 lancés contre 32. Bonne performance de Hackett, il faut bien l'admettre. Ouais. Mm-hmm. Là, le mot. J'attendais. Non, mais il faut Yvan l'a dit à la fin de son résumé. On revient avec qui samedi à Toronto, contre Toronto à Montréal? On revient avec Hackett. Hop! Je sais qu'avec Michel Therrien, il va revenir avec Théodore, c'est le numéro un. Qu'une erreur a été commise il y a quelques années, quand justement José Théodore avait blanchi les Red Wings de Détroit. C'est vrai. 3-0. Ouais. Et 4-0. Le match suivant, on est revenu avec Hackett. Ouais. Je pense que l'erreur ne se fera pas. Je ne sais pas pourquoi, Michel, qu'on fasse ça, ces affaires-là. Moi, je comprends. Allez, mais la planification, Jean, maintenant, tu es planifié même l'heure à laquelle tu dois aller à la salle de bain. Et planifie le 12 janvier. En tout cas, je pense que dans les circonstances, là, oublions le numéro 1, numéro 2. Ici, à Montréal, on a un substitut à près de 4 millions par année. Il vient de garder un bon match. Qui n'est pas un mauvais gardien en passant. Et là, ce qui est important, c'est de gagner. C'est pas qui est numéro 1, qui est numéro 2. Oui, mais du côté des entraîneurs, là, je ne suis pas entraîneur, mais on veut toujours faire attention pour ne pas blesser notre numéro 1.
pour ne pas y faire perdre sa confiance. Mais dans le cas de José, je pense que José accepterait facilement la décision de Michel Therrien. Facilement? Facilement, très facilement. Mais rappelons-nous, l'année dernière, c'est exactement ou à peu près le même scénario. José commence tranquillement. Hackett embarque, connaît de forts matchs, il est blessé. Là, José reprend le filet qu'il n'a jamais redonné par la suite à Hackett par ses performances. Mais c'est le même tableau que l'année passée ou à peu près à cette même période de l'année. Michel, il gagne. Rappelle-toi, l'année passée, on a eu ça, ce même scénario-là. Théodore qui gagne 3-0. Qui embarque dans le match suivant? C'était pas l'année passée, il y a deux ans. En début de saison, on avait... José n'allait pas bien en début de l'année. C'est lui qui nous confirmait. C'est Alain Vigneault qui était l'entraîneur. Mais la situation est différente aussi. Là. José, l'année passée, on a commencé, gardien numéro un, c'était à Hackett. Là, après ça, José, il a moins de pression de ce côté-là. Il sait qu'il va arriver dans les matchs une fois de temps en temps. Il faut qu'il fasse bien. Cette année, José, il faut qu'il apprenne en étant le numéro un. C'est la même chose avec un joueur. Quand un joueur arrive recru, c'est d'arriver au sommet, mais il faut être capable de rester. Puis quand tu deviens vedette, mais il faut que tu apprennes à jouer. Je suis même pas inquiet, mon nom. Michel Bergeron retourne avec Hackett? Absolument. Ah, oui. Il faut gagner. Je suis obligé. Il vient de gagner avec. Hackett vient de te sortir. Là. Mais n'oublions pas une chose. Ce soir, là, il y a eu un changement. Là. Pas un changement par Michel Therrien. Les circonstances ont fait que Michel Therrien a voulu faire un changement important. Doug Gilmore n'était pas de la formation. Doug Gilmore, depuis le début de la saison, joue en moyenne entre 20 et 22 minutes. Employé en avantage numérique, sur la deuxième vague en avantage numérique. Ce soir, pour faire le voyage, il est blessé. On a ajouté 18 minutes de vitesse. Et là, on a donné plus de temps de glace à Yannick Perrault. Et on a vu ce que ça a donné. Et l'an passé, Gilmore avait peut-être sa place parce que Koivu n'était pas de la formation. Donc, il y avait Perrault, Gilmore et Junot. Mais là, avec le retour de Koivu, on est un joueur de centre de trop. On ne veut pas déplaire à Gilmore. On l'utilise 20-22 minutes par match. Et c'est beaucoup trop. Je m'excuse, là. Mais Gilmore devrait jouer sur un quatrième trio à Montréal. Il y a seulement un joueur qui a joué plus que 20 minutes aujourd'hui. Là, c'est Brisebois. On a utilisé tout le banc. Oui, parce que tout le monde... Ça, c'est une bonne observation. Tout le monde a mis l'épaule à la roue ce soir. Odette, il va falloir qu'il se réveille, hein. Il y a eu un avertissement ce soir, il n'a pas joué sur le quatrième toute la soirée, mais c'est un bel avertissement de la part de Therrien. Il dit, hey, n'importe qui ici, vous pognez de moi. Ouais. Michel, tu ne regrettes pas trop de l'avoir pris dans ton pot? Mais pas du tout. Il y a une affaire. Je suis d'accord qu'on a dit à Donald, tu n'as pas compté, tu es là pour compter, on t'assoit. Mais la journée qu'un gars qui joue défensivement et qui s'en fait score et trois contre lui, j'espère qu'on va avoir exactement la même attitude. Mais c'est une bonne observation parce que le joueur qu'on punit habituellement, c'est toujours le joueur offensif. Le joueur défensif, là... J'ai hâte de voir ça. Je regardais le match en parallèle entre Phoenix et Toronto ce soir. Qui a été cloué sur le banc en troisième période de Phoenix? Daniel Briaille. Et voilà. Le petit joueur offensif. Ben voilà. Je voudrais revenir à Jeff Hackett encore. Toi, Jean, tu y reviendrais avec Hackett? Est-ce que tu jouerais cette histoire de « on vient avec le gars qui nous fait gagner » ou « on fait attention » parce que lui aussi, bonne observation, Chico. Deuxième année, on en a parlé hier soir, deuxième année d'un gardien de but, c'est comme un joueur. Faut que Théodore monte les marches une par une. Pas parce qu'il y a 5 millions dans ses poches que là, monsieur Théodore... Deux trophées quand même, là. Écoute, ça, là, ça n'a rien à voir. À l'heure actuelle, il faut gagner des matchs. Théodore a beaucoup d'apprentissage encore à faire dans une équipe professionnelle. Il y a une saison complète en arrière de la cravate. Es-tu en train de dire qu'on s'est peut-être un peu emballé malgré les deux trophées? Non, au Québec s'emballe vite, les gars. Mais il faut que tu t'emballes. Ils déballent vite, là. Ils déballent vite. Le Canadien a subi deux défaites, là, puis là... Tout le monde était échangé. Une par une, puis Théodore, ils ont monté très vite. Non. Quand même, Jean, ça fait 4 ans qu'il... Une bonne saison l'année passée. Jean, tu as partiellement raison. Il y avait une bonne saison l'année précédente. L'année dernière, l'occasion s'est présentée. Il a sauté sur l'occasion. Personne ne nous a dit que Yaron McGinley ne scorerait pas 50 cette année-là. On a dit qu'il est arrivé à maturité, il va obtenir du succès. C'est la même chose pour José. C'est une question de temps avant qu'il trouve ses moyens. Le problème avec un gardien comparativement à un joueur de centre ou un défenseur, c'est que si ton jeune, bon joueur de centre, numéro un, connaît des mauvaises périodes,
Tu le fais jouer sur le deuxième ou le troisième trio. Mais lui, là, tu ne peux pas le jouer sur le deuxième trio. Là. N'importe, tu joues, tu ne joues pas. C'est ça le problème. Et si ta technique n'est pas à point, l'attaquant, lui, va manquer le filet par 3 pouces. C'est pas grave. Mais le gardien de but, si tu te déplaces d'un pouce ou d'un demi-pouce à côté, la rondelle est dans le filet. C'est juste on en parlait aujourd'hui. Je pense que c'est ça un peu le problème de Josie cette année. Trop technique. Hein, parce que il nous avait habitués à challenger les joueurs adverses. Parlons de sa confiance à José. Là. Oh. Il sait qu'il gagne 5 millions et il sait qu'il vient d'accorder 12 en deux. Là. Ça n'a rien à voir, le 5 millions, Paul. Je te répète, là, la pression, là, c'est quand tu gagnes 300 000. C'est pas quand tu gagnes 5 millions. Parce que tu vas quand tu gagnes 300 000, là, c'est parce que ton poste n'est pas sûr. Moi, je suis content, à 5 millions, je suis content qu'Hackett ait gagné un bon match. Hackett, c'est un gars qui a beaucoup de caractère, on le sait tous. Mm-hmm. Puis Todor, c'est un gars qui a beaucoup de caractère aussi, puisqu'il l'a démontré l'année passée. Ça réveille, là, ça garde les gars sur ça le... Ça fait une question de bonne confrontation là, pour cette année. Là. Ça les c'est garde, les gars. Ça prend. Et pas le choix, on est d'accord que ça augmente la valeur de Hackett, parce absolument, qu'on l'a mis, là, on l'a mis dans la vitrine ce soir. Au bon moment où Toronto s'amène à Montréal, il y a des clubs qui cherchent des gardiens. Et de toute façon, la meilleure position... Une belle fois, j'ai hâte de voir tantôt s'il va être là. Il parlait de mettre le troisième cette semaine. On s'en parlera. Avec c'est un gardien qui est sur... donné à Belfort, on regarde, pas un autre gardien. Il est sur la pente descendante. Cela dit, dans le cas du Canadien, la meilleure position, là où on a le plus de profondeur, là où on a les meilleurs joueurs, c'est la position de gardien de but. On nous casse les oreilles, on nous rabat les oreilles en nous disant depuis le début de l'année, lorsqu'on se demandait qu'est-ce qu'on va faire avec la 4. Non! C'est de devant les filets qu'on a le plus de profondeur avec deux véritables gardiens numéro un. Qu'on soit heureux de voir Hackett sortir comme il l'a fait ce soir. On va pas revenir avec les deux gardiens numéro un. Mais non, on a deux bons gardiens. On a deux gardiens de la Ligue nationale. Probablement le meilleur tandem. Ça va revenir. Si Hackett en sort 2-3 bonnes de suite. Si Hackett gagne samedi, qu'est-ce qu'on fait pour mardi? Qu'est-ce qu'on fait avec Théo? Ça revient tout le temps. Ça revient tout le temps, mais c'est... C'est bon. Hey, les amis, la preuve, c'est que le Canadien va gagner. La semaine dernière, on parlait du problème des trois gardiens, mais je pensais jamais qu'on viendrait avec... C'est pas vrai. Après l'entraînement de demain au Centre Bell, la première question qui va être posée... C'est sûr. Parce qu'on n'a pas posé de questions. Elle a été posée à soir après. Ah oui, sûrement. Parce que depuis le début de la saison, là, pour la première fois dans les 6-7 dernières années... On ne demande pas à Michel Therrien la veille du match qu'il va garder. Qu'est-ce qu'il fait s'il en gagne 2 et 3? Est-ce qu'il va rester avec lui? On gagne. Mais pourquoi pas? Puis le calendrier n'est pas trop épuisant. Le diable est aux vaches, les amis. Ça a été fait de l'expérience du commencement de l'année. Si on garde la même équipe avec les mêmes joueurs d'avant, les mêmes joueurs de défense, nos gardiens de but vont être obligés de gagner les matchs. Paul, en plus de ça, là... Ça fait que deux... Mais proposons-nous la question que tu verras. C'est que José Théodore là, ne travaille pas pour un contrat. Il vient d'en signer un contrat de 4 ans. Mais à quel tu travailles pour s'en aller de là, lui? Oui, mais Théodore va accepter la situation. J'ai une question, moi, pour Bergy. Si Gilmour est en mesure de revenir samedi, est-ce qu'on le met dans l'alignement? Messieurs, une seconde. Non, on change pas. Michel Therrien, l'aventure, ne changeait pas de combinaison gagnante. J'ai vu ça souvent, là, qu'un joueur, il va se faire punir. Ça m'est arrivé justement à Chicago. Tu te fais punir un match. Il dit, prends tes essences, puis là, tu vas revenir au prochain match. Puis en gagne 6 de ligne, en ligne. Tu fais quoi? Mais coach, excuse-moi, mais je ne peux pas changer de line-up. C'est tout ça. Excusez-moi, on m'a signalé, un téléphone a été fait à Détroit auprès des journalistes en présence et aucune question n'a été posée à Michel Therrien sur le gardien du prochain match. Bon, ça, au moins, on sait ça, mais demain, l'entraînement. Le grand François Gagnon, là, qui se bat toujours ici, les mâchoires, n'a pas posé la question. Ce soir, après le match... Non, il n'y a pas parlé, Michel Therrien. C'est pas fort. En tout cas, c'est une belle situation. Mais écoutez, j'aimerais poser la question à Jean Perron, parce que José Théodore, avant ces deux défaites-là, était au firmament, des pubs partout, 5 millions, des trophées. Et ce qui t'agace, Jean, c'est que peut-être qu'on l'a rapidement élevé au rang de Guy Lafleur comme étant l'athlète le plus populaire chez le Canadien depuis Guy Lafleur. Sur le plan médiatique, entendons-nous, là, je veux pas que les gens qui aiment Patrick Roy me prennent mal, là. Est-ce que tu trouves que on le monte un peu vite, sur la glace qu'au niveau médiatique? Oui, il y a des comparaisons la semaine passée qui m'ont choqué. On commençait à parler de Richard. Jacques Richard comparé à Guy Lafleur. Puis là, Guy Lafleur qui s'achète un restaurant à Mike's, puis j'ai pas mal les bons chiffres en ce qui concerne... Les contrats publicités pour un gars comme Théodore qui reçoit deux fois plus que Guy Lafleur. Oui, mais ça fait 20 ans, cette journée. Ouais, attends un peu.
fait 20 ans, le réveil fait un sondage au public pour savoir qui c'est qui est le plus populaire. Ben, tu vas être surpris de voir que Guy Lafleur est encore là, puis Jean Béliveau est encore oui, là. Oui, je sais, mais là, actuellement, Jean, en 2002... Moi, ça me choque. Ça me choque encore bien plus, parce que c'est ça notre mentalité québécoise. Notre premier athlète ici au Québec, notre plus grand athlète, s'appelait Maurice Richard. On arrive en 76 aux Jeux olympiques. On envoie des petits clin-clin pour allumer la flamme olympique. Ah, mais là, on a peut-être commis des erreurs à cette époque-là. C'est juste pour te dire, c'est pas correct. Des Guy Lafleur, on n'a pas assez. C'est en avant, puis il faut que ça soit... José, c'est un exemple. José, c'est un exemple. C'est pas les médias qui l'ont monté là. Il a fait une bonne année, c'est ça que j'accepte pas. Toi, OK, je comprends. C'est qu'il y a juste une bonne année alors que Guy Lafleur... Ça fait 20 ans qu'on cherche un joueur vedette. Oui, mais là, on parle, là, Chico peut nous en parler, on parle des comparables au départ. Si on parle de son contrat... Ces fameux chiffres sur lesquels se basent tous les agents. C'est là-dessus que les agents travaillent. Bien, on a fait les comparables en plus de deux trophées. Et Don Meehan a négocié avec ça. Le Canadien avait d'autres choix. Mais au Québec, il a raison. Michel a dit, ça fait des années qu'on cherche une vedette. Puis en plus d'être une vedette, les mamans l'aiment. Les filles voudraient toutes que José soit leur chum. Les gars admirent toutes ses performances avant le filet. Les petits gars, les petites filles, il y a tout ce que tout le monde voudrait avoir dans la vie. Mais il faut faire attention, par exemple, parce qu'il ne faut jamais que tu oublies pourquoi tu es devenu si populaire. Que tu fais tant d'argent parce que tu es un joueur de hockey. Puis il faut faire attention qu'il ne sorte pas trop de ça. Je sais que là, c'est Mike, Gatorade, des petits gâteaux vachons qui s'en viennent. Pour faire attention. Non, non, mais je te dis parce que. Tiger Woods, lui, peut être le porte-parole de 22 compagnies, puis c'est correct. Toi, tu es un Non, il ne dit pas que ce n'est pas correct, là, je pense. Tu es une vedette. Attends, pas bien, je t'ai vu, toi, tu es arrivé là-bas, la radio, tu as sûrement fait des petits commerciaux à une autre échelle, là. Tu étais la vedette de la place à un autre niveau. Mais là, José, il arrive à un moment où la place très est ouverte. On se cherche, non seulement. C'est pas en cause que les joueurs d'hockey. Si Vladimir Guerrero parlait français, il aurait pris peut-être plus de place. Mais il est capable d'en prendre, tant mieux. Mais je veux juste. Quel est ton point? De faire attention de ne pas oublier pourquoi il est payé 5 millions par année. Un peu comme Tiger, n'a jamais oublié qu'il fallait qu'il gagne au golf. Ça ne m'adonnait pas, puis c'était trop parce demandé. Puis j'ai même averti mon chum, Vincent, t'aimes pas, qui était dans les billboards, les magazines. Je dis, Vincent, oublie pas, c'est quoi ta job. Tout ça, tu l'as parce que tu joues au attention, fais attention. C'est juste de mettre en garde. C'est ce qui arrive ici dans le marché québécois. C'est quand même très petit. Théodore, gros contrat, beaucoup de publicité, comme Jean mentionnait. Et là, tu dois gagner. Tu dois vivre avec ça. Tu dois gagner. Si José Théodore avait eu une moyenne de deux buts accordés depuis le début de la saison, le Canadien avait gagné deux matchs lorsqu'il était devant le filon. Mais moi, ça me fatigue. Là, il ne faut pas qu'il fasse de la publicité. Mais l'idée que l'on amène ce soir, je l'ai entendu à quelques reprises dans le public. Il devrait se concentrer uniquement sur C'est sûr qu'il y en a qui vont tomber là-dessus, Michel. C'est sûr que le monde va tomber là-dessus. C'est comme ça qu'il les a fait pendant la période estivale. Où il n'y avait pas le hockey des temps. Même pas en cause. Une journée chaque. En tout cas, moi, je trouve qu'on fait des vedettes beaucoup trop rapidement au Québec. Mais les vedettes, maintenant, ça dure le temps de nous dans tous les secteurs de l'activité. Je sais qu'on n'a pas beaucoup, qu'on s'en cherche, tout ça. Mais quand on commence à faire des comparaisons avec Guy Lafleur, puis Jean Béliveau, Maurice Richard... On n'a pas dit qu'il était aussi gros. Lorsqu'on a comparé Jacques Richard à Lafleur, j'espère que les gens ont compris. Lorsque les deux jouaient avec les Remparts de Québec... Serge Savard n'était pas d'accord. Personne n'a comparé Jacques Richard à Guy Lafleur dans la Ligue nationale. Quand Guy Lafleur est arrivé avec le Canadien, s'il était devenu une vedette instantanée... On se laisse sur les résultats du pool et les 6 participants de 110 %. Qui arrivait plus 2 à ça?